La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FNJEG en sigle, c'est une corporation, une plateforme professionnelle qui s'occupe de l'encadrement des jeunes entrepreneurs. Aucun pays ne peut se développer avec des activités philanthropiques. Et la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs regroupe des jeunes évoluant dans divers domaines tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, la construction et dans plusieurs autres domaines, dans les commerces. Voilà la spécialité de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs. Et la Fédération encourage les initiatives des jeunes, les encadre et assure leur suivi et leur développement. La Fédération organise des formations. La Fédération organise aussi l'appui et l'accompagnement sur le plan comptable, fiscal, pour que les jeunes entrepreneurs qui ont des initiatives puissent réussir dans leur démarche. Vous savez qu'aujourd'hui, on se plaint beaucoup pour dire que lorsqu'il y a des appels d'offres, lorsqu'il y a des marchés à gagner dans différents secteurs, les jeunes entrepreneurs du Congo, surtout les jeunes de Kalemi, n'arrivent pas à gagner des marchés. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, mais aujourd'hui, par faiblesse, nous commençons à nous plaindre pour dire non, Banafan Yabitu Mumuyuanu, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Il faut être compétitif. Mais pour être compétitif, il faut avoir appris. Il faut savoir comment on présente les choses, comment présenter un programme, comment présenter un projet, comment présenter un business plan qui est bancable. Tout ça, ça s'apprend. Alors, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs réunit et regroupe des gens qui ont des initiatives, des gens qui sont déjà en activité et ceux qui ont des intentions de commencer, afin de les former pour que nous puissions avoir demain une jeunesse responsable, capable de créer de l'emploi, capable de produire à manger, capable de produire des activités qui peuvent générer de l'argent dans notre communauté. Notre fédération a pris naissance dans la province depuis le mois de février. Et à peine que nous étions organisés, nous avons déjà recruté 34 jeunes. Ce ne sont pas des individus, il y a les entreprises comprises. Et nous avons 34 adhésions jusque-là et nous espérons en avoir autant.